Eh bien, salut à tous, c'est Loul500 et on se retrouve pour un troisième let's play de Star Wars Jedi Fallen Order direction Dathomir. Oh là là. Mais waouh quoi. C'est ouf. C'est ouf. Mais le jeu, il est superbe. Il est magnifique. C'est ça tout. On est arrivé là, par contre, je voulais voir si je pouvais customiser mon sabre dans le vaisseau. On n'y voit pas grand chose. Cal, sois très prudent. Cet endroit est dangereux, voire mortel. Hey, Grise, c'est quoi ce truc? Quoi? T'avais jamais vu un terrarium avant? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes. Hey, dis donc, j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie. Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines. Tu détestes pas la nature? Je la déteste à l'extérieur. Mais derrière une plaque de verre d'Ombara bien épaisse, y a rien de plus beau. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Ok. Bon, on a planté une graine. Tout va bien, Grise. Ça va aller. T'es avec des Jedi. Il t'arrivera rien. Qui est là? Oh, Cal. On est prêt à partir? Une seconde. Je peux méditer, ok, ici. Ça, c'est pour le sabre laser. Oui, j'ai trouvé. On peut le personnaliser. Alors. Émetteur. Gyrotapal ou... J'ai pas vu ce que ça changeait. Ah d'accord. Oh, je préférais ça. Au niveau de l'interrupteur. Quoi? Ah, je préfère. Putain, il est bien abîmé au bout mon sabre. La poignée. Ouais. Et matériaux. On a que ça. Ok. Ouais. Ouais, c'est bon ça, je kiffe. On va pas méditer maintenant. Des points de compétence, j'en ai pas. Allez, cette fois c'est la bonne. On va découvrir. Tyrolienne? Ah non. Waouh. Heureusement qu'on se trouvait pas là-dessus. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'étonnerait qu'il soit du genre amical. Il doit pas être loin. Oh, il est là. Y a pas un mode furtif chez les Jedi? Qu'est-ce que t'as vu? C'est quoi? Oh putain! Ouais. Il va où? Hé, Médéen! Encore un? C'est quoi ça? Beau travail. Okay.
On n'a pas récolté de graines pour autant. Est-ce qu'il y a ce gros truc aussi? Oh non, il a disparu, merde. Ça, c'est moi ce d'avant. Ok, je vais voir ça. Ok. Cosse funéraire. Acide. Araignée fléau. Ok. Alors on va pouvoir grimper. J'ai l'impression que le bleu s'est éclairé mieux. Il n'y avait rien là-bas. Par contre, on peut grimper. Ici. Là-bas, une caisse. Oh, ok. Qu'est-ce que c'est? Nouvelle apparence pour BD1. Oh, génial! Dans le menu pause, on peut changer son apparence. Oh, c'est bon ça. Ok. Chonos la lendenite iloriolie. Tu le dis. Une sœur de la nuit qui pratique son art. Hop là. Ah non, c'était juste un petit rayon de soleil. Même les araignées là. Oh putain, me dites pas que je reprends de du vaisseau. Allez. Je suis arabe, toi ou aide-moi! C'est un nid d'ac inférieur, ça. Je... Si ça, c'est un inférieur, je veux pas voir les supérieurs.
saleté, putain, mais c'est vraiment une saloperie ce truc. Je peux pas l'ouvrir. J'ai déjà plus de vie. Oh oh oh. Oh, je suis pas dedans là, pas autant qu'hier. Hein. Ça c'est bon. Yes, la petite corde. Tu veux bien me soigner? Comme merci. Une mise en garde. Effigie menaçante. C'est faux, était là. C'est étrange. Ce lieu semble abandonné, mais... Tu n'es pas le bienvenu, Jedi. Tu dois être une sœur de la nuit. Je vous croyais toutes disparues. Pas toutes. Tu n'as rien à faire sur Datomir. Va-t'en sur le champ. J'ai peur de ne pas pouvoir faire ça, mais... Peut-être qu'on pourrait s'entraider. Je cherche... Attends, je suis pas un ennemi. Tes actions disent le contraire. Attends, je ne veux pas. Fâché. Il se passe quoi là? Oh. Il tremble de peur. Frappez-le. Il fuit. Choré. Avant qu'il récupère. Viens, affronte-moi. Il a pas pu rivaliser avec lui. Ça fait mal. Oh, ils ont foiré. T'as perdu tes moyens. Essaie de me battre. On veut gagner, mes frères. BD1, Steam. Viens, affronte-moi. Je t'aurai. Attrapons l'étranger. Oh, ils ont foiré, quoi. Si tu vois des rampantes, tu les sur le champ. J'ai vu ceux qui sortent de leur cadavre. C'est pas sa zone de combat. Oh putain. L'autre aussi, je peux le faire comme ça. Guerrier des frères de la nuit. Allez, viens. Viens. Tu me dis quand t'en as marre, tu veux faire demi-tour. C'est pas trop ton coin ici, c'est ça. Tu m'échapperas pas, Jedi. Il recommence. Alors ça c'était cheaté par contre hein, quand même. Mais bon, je prends, hein, on va faire avec. Oh les abrutis.
T'as pas envie de scanner quelque chose, toi, mon gros? Non? Il y a un truc là-bas. Ne pas louper les cordes. Parce qu'à mon avis, c'est profond. Ouais, ne pas louper les cordes. Allez, go, 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 go! Ah ouais, carrément! Ah, vénère, lui. On peut méditer. Compétences, on n'en a pas, il me semble pas. Ça, c'est pas débloqué encore. Ah si, on en a trois. Ça, c'est pas mal, ça. Ok, ça je prends. Après ça c'est quoi? Cal peut effectuer une autre attaque puissante après une attaque, une frappe haute. Ouais, ça coûte 2 points de compétence. Fais-y voir. Ouais, je prends. Ça aussi c'est un point. Rond plus carré. En attaquant après une esquive rapide, Cal peut effectuer un coup de pied. Et j'ai aussi la vie. On va augmenter le niveau de santé aussi. Voilà. Et je vais changer mon poncho. Donc ça c'est la carte, ok. Fais voir le poncho. Ah oui, on peut changer sa son apparence à lui maintenant. Dans la personnalisation, d'accord. Bon, on va se mettre ça, ouais. Voilà. Et pour lui, on a quoi? Ouais, non, je préfère blanc là pour le coup. Voilà, j'ai changé mon poncho, je suis plus à l'aise. Oh putain. Allez, tiens, dans ta gueule, toi. Des frères de la nuit. Tu gagneras pas! Tout bien placé! Ça, ça fait mal. Combattez avec moi! Vite! Je récupère! J'ai besoin d'aide! Je pourchasse l'étranger! Cet étranger. Tu gagneras pas, Jedi. Encaisse ces attaques. Ouais, ça c'est fait. Je vais regarder ça. T'as trouvé quoi? Un archer des frères de la nuit, ok. Impossible de passer. Verrouillé de l'autre côté. Je crois que je pouvais ramasser l'arc. Étranger ! Oh l'enfoiré ! La mort te tend les bras. Arrête, intrus, c'est ridicule.
C'est bon. Oh, d'accord. Allez, vas-y, fouille-moi tout ça, mon petit. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Nouvelle peinture pour le mantis obtenu. Allez, tirez. Attendez quoi, mes cons? Arrête de courir! L'intrus il s'en sort bien pour l'instant. Début difficile, mais là ça va. Attends, attendez. Fallait scanner ça. Oh putain, c'est avec les lumières, des fois je crois voir des petits points blancs. Ok. Bon ben, allez hein. Et un point de compétence obtenu, hein. Putain d'acide de merde. Hey. Allez, quelque chose d'utile. Un nouvel interrupteur de sabre. Hey, j'avance tout doux, hein. Yes. On peut ouvrir la porte. Du coup, on atterrit. Ok. Hop. Je te referme pas, toi. Fais pas de blagues pourries comme ça. Donc là, si je meurs, je reprendrai depuis tout le début. Ah, voilà une amérante. Apparemment, tu as croisé la sœur de la nuit, mais... contrairement aux autres, tu es vivant. Oh, un sabre laser. Non, le cache pas. Voilà qui explique que tu es survécu. Qui êtes-vous? Tu ne... Oh non, t'as rien à craindre. Je ne suis qu'un voyageur. J'étudie la nature... de culture antique et de philosophes morts. Vous étudiez les Sœurs de la Nuit? Oh, j'étudie beaucoup de choses. Mais oui, cette Sœur de la Nuit, oh... elle n'était qu'une enfant. Quand
ce monde est entré en guerre. Elle a dû regarder toute sa famille périr. Que savez-vous à propos de ces ruines ? Oh, elles sont millénaires. La sœur de la nuit et ses frères guerriers ont été séduits par le pouvoir de ces ruines. Évite les ruines, ou tu connaîtras le même sort. Faire une save avant, non ? Je dis ça, tu sais, je continue de visiter. Oh, c'est un atelier. Sérieux? Oh la peau! Oh. Le sabre laser à double lame est très efficace contre les ennemis nombreux. Utilisez l'attaque de force pour éliminer les groupes importants. Continuez de bloquer après avoir envoyé un tir de blaster pour envoyer d'autres tirs vers vos ennemis. Oh putain, ouais! On va revenir ici. Il y a une corde là. Putain, mais elle est immense cette zone quoi. Truc à fouiller de partout. Là. Bon, ça va faire réapparaître les schmolls, mais je m'en fous. On a un point de compétence en plus à débloquer là. Alors, arbre des compétences. Là pour le coup, c'est quoi ça? Les défenses de cale sont améliorées, je subis moins de dégâts à sa jauge de garde. On va prendre ça. En attaquant après une esquive rapide, le coup de pied, on va le prendre. Pas mal. Ouais, c'est chouette. J'ai déjà fait face à la bête volante. Allez. La menace vient d'en dessous. Allez-y, approchez. On ne peut pas tous nous battre. Reviens là. Voilà. Ils vont partir avec beaucoup de vie. On va fouiller cette caverne aux araignées là. On descendra après. Exploser. Non, ça va. Ça va, on s'en sort bien.
Et y'a rien. Ah si. Quelque chose a attiré quelqu'un ici. L'énergie venant des ruines. Ok. Qu'est-ce qui nous attend en bas? On va aller en bas. Hein. Ah, fallait pas aller en bas. Tu vas pas me dire que ça c'est pas pour s'accrocher, bordel. Ah, faut faire monter un mécanisme. Bon, ben, là pour le coup, je sais pas comment ça marche. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Seule la mort et la folie t'attendent dans les ruines. T'en savais autant sur la sœur de la nuit? J'ai observé. J'ai vu bien des choses depuis mon arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout doit-il avoir un sens? Trop de grands esprits se sont perdus dans leur quête d'un ordre. Je vais devoir y aller. Non, je peux pas sauter aussi haut. Ouais. C'est loin. Comment on va passer? Allez, allez, allez. Ah non, il y avait un truc là-haut. Oh putain. Tu peux le faire, mon gars. Plus droit, plus droit. Allez. Maintenant. Une sœur de la nuit a survécu. Elle a quelque chose de familier. De quoi, de quoi? Tu ne peux pas gagner, étranger! Avancez prudemment, mes frères! Tu n'as aucun véritable pouvoir! Non! Oui. Tu ne peux pas cacher tes faiblesses! On te laissera pas faire. T'as perdu tes moyens. Ne le perdez pas de vue. Non, 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 mais que je suis con, c'est pas possible. Tu ne peux pas gagner, étranger. Sur ma gueule, là, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, 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 casse-os, casse-os. Oh, le vaisseau. C'était beau, ça, tiens. Ah là, tu sens que le mec il court pour sa vie. Hein. Donc là, on pouvait pas y regrimper, d'accord. Pas trop tôt. Content de te revoir sain et sauf. J'ai bien failli ne pas m'en sortir. J'espère qu'on t'a pas suivi jusqu'ici, petit gars. J'espère aussi.
Ça a poussé ou pas? Gris sait ce qu'il fait. Un petit peu. C'est sorti de terre en tout cas. J'ai rencontré une sœur de la nuit. Et alors? Est-ce que ça va? Ça va. Mais elle n'apprécie clairement pas notre présence. Elle n'était pas seule. Les frères de la nuit? Oui, je crois. Oh non! Ils sont plusieurs! Je n'en sais pas plus. Cordova disait que les frères de la nuit servaient les sorcières de Datomir. Tu as de la chance d'être en vie, Cal. Pitié, dites-moi qu'on part. C'est une option. On peut revenir plus tard si tu ne te sens pas prêt, Cal. Ben, j'avoue que je suis pas chaud 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 de l'habitat, là. Tu veux quelque chose? Oui, tiens. J'aimerais bien mourir d'une mort lente et douloureuse. Tu crois que tu peux m'arranger ça sur cette planète maudite? Sinon, autre idée. Ramène-moi seulement un petit souvenir qui puisse me hanter pour le reste de ma misérable existence. Qu'est-ce que t'en penses, gros malin? Oh, ça va, ils arrêtent pas de faire la gueule. On va se reposer un coup. J'avais pas un nouvel interrupteur aussi pour le... Bon, tant pis. On verra plus tard pour le sabre laser. Bon, le sabre laser, c'est bon pour l'instant. Quoique bleu, j'aimais bien quand même. Hein. Le chieur, tu sais, le petit détail dont tout le monde se fout. Non, pas moi. Émetteur, il n'y a pas de neuf. Interrupteur. Oui, si, je l'ai changé déjà. Ouais. Ouais, non, celle-là, c'est bien. Bon, on s'est débloqué le double sabre laser. On a quand même bien avancé sur cette planète à la con. On a fait pousser un truc dans notre vaisseau, on est tout content. On va aller voir ailleurs si on y est. Hein. Je me demande où aller maintenant. Ouais, peut-être ici. À Zepho, pourquoi pas. Et on va s'arrêter ici pour ce troisième let's play de Star Wars Jedi Fallen Order, les amis. J'espère que ça vous a plu. On ira sur la prochaine planète dans le prochain let's play. En attendant, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. C'était Loul 5100. On se retrouve très vite pour la suite. Ciao, ciao, ciao!